Nos ancêtres ont parfois investi pendant des milliers d'années des sites naturels remarquables avant de les explorer. À cela, probablement plusieurs raisons. La peur de l'inconnu, la crainte de rencontrer en chemin des manifestations naturelles ou surnaturelles hostiles, ou tout simplement des reliefs trop difficiles à franchir. Le Vercors, et plus particulièrement les hauts plateaux du Vercors, appartiennent à cette catégorie de sites. Depuis combien de temps les hommes ont-ils voyagé dans ces paysages, suspendus entre 1400 et 2300 mètres d'altitude et répartis entre le département de la Drôme et celui de l'Isère? Pourquoi ont-ils tenté cette aventure? Quels paysages ont-ils découvert à leur arrivée? Et comment le paysage a évolué depuis cette époque? À l'issue de la dernière glaciation, il y a, disons, 10 000 ans, une forêt s'installe au pied du Vercors. Mais au fur et à mesure que le climat se réchauffe, cette forêt prend de l'altitude. Elle recouvre les hauts plateaux du Vercors. Grâce à cette élévation progressive de la température, qui favorise le transport de formations végétales, des populations de chasseurs-cueilleurs se déplacent au rythme des migrations animales et des fructifications. Qui sont ces gens? La meilleure façon de répondre à cette question est de la poser à un préhistorien. On sait que les tout premiers occupants des hauts plateaux, c'est-à-dire autour de 1600, 1700, 1800 mètres, ce sont des mésolithiques, c'est-à-dire des chasseurs, cueilleurs, exclusifs, qui sont venus probablement sur les hauts plateaux chasser le bouquetin, et essentiellement le bouquetin, animal un peu emblématique à cette époque, qui a été d'ailleurs réintroduit, et pour cause, et qui s'est installé dans de nombreuses stations et a laissé surtout de son passage des silex taillés, et notamment des armes de chasse. Ça, c'est tout à fait caractéristique de la période du Mésolithique. Et ça, ça tue un bouquetin. Et ça, c'est tout à fait capable de tuer un bouquetin, un cerf, un sanglier, puisque ce sont les animaux qui ont été chassés à l'époque. Cette partie-là sert à pénétrer à l'intérieur des chairs, et cette partie qui est ici, ce sont des barbules, il peut y en avoir une ou il peut y en avoir plusieurs, qui empêchent la flèche de ressortir. Donc l'animal était ainsi saigné et il suffisait de le suivre à la trace. Quel était le paysage à cette époque? Le paysage, c'était un paysage forestier, peut-être équivalent à celui-ci. C'était une forêt-parc. C'était une forêt-parc, c'est-à-dire une forêt ouverte. Où on circule très facilement, alors qu'à la même époque, étant donné qu'on est à cette époque-là sous un climat beaucoup plus chaud et humide, beaucoup plus tempéré et humide, alors que dans la vallée, il y avait une forêt assez impénétrable, ils trouvaient sur les hauts plateaux, et c'est la raison pour laquelle ils sont venus chasser ici, une forêt beaucoup plus ouverte, beaucoup plus facile à circuler. Mais à la différence de la forêt que vous voyez ici autour de vous, il n'y avait pas de sapin, le sapin n'existait pas encore. Elle était surtout peuplée de pins avec quelques feuillus, mais de rares feuillus. On est assez proche, ici, en ce moment, de la forêt qu'il y avait, sauf qu'elle était peut-être un tout petit peu plus dense. Et puis ensuite, on a d'autres traces. On constate des pratiques de déforestation par le feu. Ils mettaient le feu à la forêt pour créer des zones ouvertes propice au pâturage. Les hauts plateaux du Vercors connaissent en gros deux climats. Un climat, disons, Alpes du Nord et un climat méditerranéen qui correspondent en gros à quatre zones biogéographiques. Alors une zone atlantique, une zone continentale, une zone méditerranéenne et bien entendu une zone alpine. Et ça, c'est l'originalité du coin. Et partout où ça se produit, ça génère une biodiversité exceptionnelle. Bonjour Pierre-Aymar. Bonjour. Alors ça y est, c'est en route. Ouais, c'est en route. On est en train de récupérer les données de 6 mois de station météo.
Parce que je pense que maintenant, c'est vrai que c'est un secret pour personne. Le climat global de la Terre augmente. Et forcément, un jour, ça aura un impact sur les paysages des hauts plateaux, comme ailleurs d'ailleurs. Oui. Sur la flore, sur la faune, c'est ce que vous êtes en train d'essayer de comprendre en ce moment, là ? On essaye de mettre en place un observatoire sur l'évolution climatique et les conséquences sur la faune et la flore pour avoir des mesures, des données sur les précipitations, l'enneigement, l'ensoleillement, le vent et les températures et l'humidité. Et après, on va mener en parallèle des études avec des naturalistes pour un peu étudier les changements, les apparitions et disparitions de faune, de flore et les changements de paysage. Est-ce qu'on peut imaginer que justement, à partir des observations liées entre la station et puis celle de terrain, hein, les botanistes par exemple qui partent à la quête d'informations, on puisse constater que la flore, disons, plus méditerranéenne, gagne du terrain sur les hauts plateaux par rapport à la flore typiquement alpine, enfin presque même alpine du Nord. C'est ce qu'on va essayer de montrer, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, on va essayer d'orienter les recherches scientifiques sur la réserve sur des espèces indicatrices, aussi bien un peu faune que flore, et aussi le fait que c'est une réserve, donc on peut travailler à long terme. Un exemple, par exemple, sur la faune, c'est peut-être d'un éventuel changement climatique et d'un réchauffement, on se met à entendre des cigales sur les hauts plateaux du Vercors, on est à 1500 mètres d'altitude, il n'y avait pas d'observation dans le passé. Voilà. On va partir par là. Guy Aigarde à la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Comme tous ses collègues, il connaît les moindres recoins du site. Mais c'est aussi un ami de longue date que je suis très heureux de retrouver. On a toujours l'impression dès qu'il y a un loup qui va passer là-dedans. Ou... Ah. Tu vois ici, Michel, d'après toi, c'est quoi ces arbres ? Alors, bah ça c'est facile. Ce sont des épicéas, puis ça c'est facile aussi, ce sont des pins. Ouais, mais c'est pas aussi simple. Ah épicéa, bon ? Oui, évidemment, je te l'accorde, c'est facile. Le pin, c'est une espèce de pin particulière. C'est le pin mugot qu'on trouve dans les Dolomites et qui a été réintroduit dans le Vercors. Bon, on pense que c'est une réintroduction qui a été faite pour tester l'espèce. Mais bon, en fait, c'est un seul arbre que tu vois ici. Ça, c'est un arbre ? Voilà. C'est un arbre qui est particulier. On plante le centre de l'arbre, le tronc principal, est en plein milieu du buisson. Ah et bon. Ensuite, toutes les branches partent en radiation autour de ce tronc principal et puis grimpe vers le ciel, mais cet arbre il fait 30 mètres de diamètre et à peu près 2 mètres de haut. On dirait une forêt rabougrie. Ouais, mais tu vas voir, quand on sera à l'intérieur, la forêt elle est pas si simple à parcourir. Toi, tu vas voir. Passe donc devant. C'est assez compliqué parce qu'il faut remonter vers le centre de l'arbre en fait. Tu vois, donc là on commence à être repoussé par les branches. Dis donc, on dirait des tentacules. Ah oui, mais c'est assez animal comme arbre. C'est énorme, c'est super. C'est un vrai labyrinthe. Tiens, ben regarde, on comprend pourquoi ça s'appelle l'épervière pilosée. Et Guy ? Oui. C'est quand même plutôt un signe de bonne santé, non ? Ah ouais, c'est la fourmilière rousse des bois. Donc c'est effectivement un signe de bonne santé. Quand les fourmis sont en bon état, enfin disons quand le milieu naturel est en bon état, les fourmilières sont très grosses. Et ensuite, dès qu'on commence à sentir un impact sur le milieu, les fourmilières au départ deviennent de plus en plus petites. Ouais. Elles se multiplient en nombre. Il y a des nids un peu partout, jusqu'à disparaître complètement quand l'attaque sur le milieu est complète. D'accord. Et puis tu vois, il y a quand même beaucoup d'acide formique qui se dégage quand on passe la main comme ça. Ça sent pas très bon. Et ça a des propriétés. Si tu mets une fleur bleue, par exemple, à proximité des fourmis, elle dirige l'abdomen pour se défendre en direction de la fleur bleue. Elle projette l'acide formique et ensuite la fleur bleue, tu vas voir. On m'a déjà fait le coup, mais je m'en lasse pas. Elle se décolore.
Tiens, Michel, regarde ce que je viens de trouver. Un criquet ? Oui, et tu vois, il est particulier. On dirait Popeye. Ben oui, il a les avant-bras musclés. C'est le criquet de Sibérie. C'est une relique de la période interglaciaire, c'est ça, non ? Voilà, c'est ça, oui. Les espèces qui ont retrouvé les mêmes conditions en montagne. Ouais, ouais. Quand les glaciers ont reculé après la glaciation, donc il fallait qu'ils trouvent les mêmes conditions. Ouais, ouais. Il y en a qui ont suivi les glaciers, puis d'autres qui sont montés en altitude. L'altitude compense la latitude, c'est voilà. Ça quoi. Alors, bon, il est drôle, hein, vraiment. Ah, ouais. Hein. Il y a un dimorphisme entre les sexes, le mâle et la femelle sont différents. Il y en a ouais. Un qui a ses pelotes ouais. Sur les avant-bras. Et la femelle est plus fine, je suppose Je ne sais pas. Tu par sais contre, pas ah, ouais. J'ai plus en mémoire. On va dire que c'est qui le mâle qui est le plus musclé. Ça marche. Alors les pins crochets souffrent vraiment pas de la concurrence des autres arbres. Hein. Non, ici, ils sont tout seuls. La plupart du temps, quand on parle de pins accrochés, c'est... les gens pensent que c'est des pins accrochés à la montagne. Ah oui, non, pas du tout. En fait, on leur donne le nom de pins accrochés parce que c'est... il faut regarder les cônes. Et sur les cônes, si tu regardes le profil, tu vois, chaque écaille... Ouais. On voit bien le crochet, là, c'est ça. Ouais. Et vu de profil, on voit le crochet qui... Ouais, ouais. Donc, c'est, en fait, c'est ce qui leur donne... Le pin mugot leur... a un peu une pomme comme ça, aussi. Oui, il ressemble pas mal, hein, mais voilà, le crochet est moins marqué. C'est des pins de montagne, tous les deux, ouais, de toute façon. Beau fossile de corail, tu vois, on voit toutes les formes. Et... ce sont des madrépores en fait, là. Oui, oui. Ça, c'est de la mer du secondaire. Oui, en fait, on est sur le calcaire qu'on appelle urgolien. Alors, enfin, si ça se retrouve là maintenant, c'est que, bah, dis donc, ça a été soulevé. Oui, c'est ça, lors du plissement alpin, tout s'est soulevé, a formé tous les massifs préalpins, Vercors, Bauges, Chartreuse. Et ça nous donne ces beaux paysages. Voilà. On est à quelle altitude là ? 1500 ou 1600 mètres à peu près. Ça veut dire que le fond marin fait du chemin dans la verticale. Ah oui, c'est pas mal vers soulevé. Le haut, ouais. Alors on sait que c'est dû au plissement alpin. Oui. Mais ça veut dire quand même que cet énorme bloc de calcaire s'est trouvé tordu dans tous les sens. Oui, hein, oui. Il s'est fissuré. C'est fissuré. Il y a eu des fentes dans tous les sens. Et aussi, il y a l'eau qui a joué un grand rôle dans ce phénomène dans la sculpture. De formation qui a sculpté tous les rochers. Regarde, je vais te montrer. En versant de l'eau dans la fissure. Ça fait une belle gouttière. Ça fait un petit méandre. Et l'eau, comme elle est acide, elle creuse le calcaire qui est dissous. Et ensuite, ça forme tous les lapiaces qu'on voit un peu partout. Oh, dis donc, regarde, il y a une confluence. Oui. Et ça se rejoint. Et ensuite, elle percole et en souterrain, elle continue encore à creuser. Et il y a des formations de grottes, de cialets ou de gouffres eh ben oui. Qui sont typiques du karst. Et là, c'est le début, en fait. Hein. Voilà. C'est le début. Peut-être que dessous, il y a une belle caverne. Oui. Là, oui, c'est les plus grandes formes d'érosion qu'on peut trouver. Donc, dans le Vercors, on appelle ça un cialet. Ça peut être un aven en Ardèche. C'est des grands gouffres qui peuvent être très profonds. Et tu vois, ici, on retrouve encore ces micro-climats qui favorisent certaines plantes. Là, il y a carrément des plantes de mégaforbia, donc des plantes ouais. Qui poussent dans des versants plutôt frais et humides. Ouais. Et puis tu vois, l'opposition, juste en face, là, on a la mélanchier qui dégringole dans la falaise, en pleine face sud. Ouais, mais la mélanchier, c'est quand même plutôt méditerranéen, ça, non ? Oui, c'est une espèce, pas méditerranéenne, mais de montagne chaude, de ouais, versant chaud. Hein. Chaud, sec. Ouais. Finalement, sur tous ces lapiaz, on trouve une biodiversité quand même qui est très riche. Hein. Ah oui, parce que tu vois, ça fait des micro-reliefs, ou même carrément des fois des gros reliefs. Et chaque fois, si on se trouve sur la dalle ou dans un trou, on a des plantes différentes. Ici, donc là, on est dans ces clairières-là qui montent. Okay. Pendant que Guy est en train de renseigner un randonneur, parlons de la zone de combat. Ça, c'est un champ de bataille. Que se passe-t-il ? On constate d'abord que la partie supérieure de la forêt ne s'arrête pas brutalement. Elle s'effiloche
Il y a même des langues forestières qui partent à l'assaut des sommets. On aperçoit tout là-haut quelques petits pins accrochés. Alors, que se passe-t-il finalement? La végétation lutte contre des éléments de la nature. Le gel, le vent qui dessèche tout sur son passage, la neige évidemment qui s'amoncelle et qui écrase tout, et les chutes de pierres, les chutes de rochers. Alors bien sûr, tout ça limite l'expansion de la forêt, mais parmi les arbres, certains sont plus résistants, peut-être plus capables de s'adapter que les autres, et c'est cela que l'on voit tout là-haut, en première ligne. Finalement, on peut dire aussi que les hauts plateaux du Vercors, par leur altitude moyenne, environ 1600 mètres, représentent la zone de combat la plus importante de France. Ouais, il y en a une. Ah oui, elle est effectivement. Attends. L'hyperaspic. Il y a même une mue, regarde. Ah ouais. Alors, je vais essayer de la... Ouais. On voit bien les glandes à venin. Elle est nerveuse, ouais. Ouais, petite... elle est nerveuse. Elle s'apprête à muer, dis donc, regarde. Petite femelle. En fait, ce sont des glandes salivaires, hein, ce sont les labiales supérieures qui sont transformées. Ah ouais. On a une salive toxique, nous aussi, hein, faut pas l'oublier. Oui, déjà, ça prouve que c'est pas une pléiade, parce que... On voit bien les crocs, là. Effectivement, tu les as bien dégagés. Voilà, je les dégage. La gencive qui les recouvre. Et c'est escamote complètement. Et tu sais qu'en réalité, les crochets, elles les perdent régulièrement, parce qu'il y a des enzymes dans le venin. Ah ouais. Ça émousse les crochets et elles les paument. Et il y en a d'autres derrière pour les remplacer. D'accord. Donc, quand on enlève les crochets d'une vipère, ouais, taratata, il faut enlever les autres aussi derrière. Tu vois. Mais le mieux, c'est de leur fiche la paix. Quoi. Les crochets de lait. La petite queue tranquée de la vipère. Elle, on va lui remettre elle a gagné tôt, sa liberté. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah attends, je vais faire un petit point de GPS parce que comme on a un positionnement de vipères sur la réserve, c'est toujours intéressant de savoir où elles sont, la répartition. Donc là, j'aurai le point précis et au mètre près, enfin même à 5 mètres près, je saurai qu'il y a une tôle avec une vipère potentielle. Voilà, c'est fini. Vipère aspic femelle. Voilà. Ah dis donc, quelle carte postale! Ouais, tu vois, c'est beaucoup plus. C'est le trièvre, ça? Voilà, au premier plan, en dessous, c'est le trièvre, avec les taches de céréales des champs de blé. Ah ouais? Et au fond, c'est. Au fond, c'est le massif des Écrins. Un sommet très arrondi, c'est la Muselle. Ouais, le Mont-Aiguille? Ouais, tu as le Mont-Aiguille à droite. Et il fait partie de la réserve aussi. Ah oui? La limite de la réserve contourne le Mont-Aiguille. Non, non, c'est un bouquetin. C'est un bouquetin. Ah. Si, c'est un bouquetin. Oui, ouais, c'est un mâle bouquetin. Ouais. Les mâles sont toujours séparés des femelles, hein, une grande partie. Oui, en réalité, en tout cas. Mais... À cette époque de l'année, oui, les mâles rejoignent les femelles au moment du rut. En tout cas, le poids des cornes est tel que ça les aide, je crois. Ça sert de balancier aussi quand ils cavalent dans les pentes. Le poids des cornes fait par contre qu'ils ont un coup beaucoup plus puissant. Voilà. Ouais. Et lors des réintroductions, il faut se méfier parce que quand on les équipe de colliers émetteurs, ouais, on est obligé de tenir compte de l'agrandissement du cou, sinon ils s'étoufferaient dans le temps. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais. Et les cornes, bon, c'est une dizaine de kilos, il faut quand même assurer. Et un mâle bouquetin, ça pèse une soixantaine de kilos et un peu plus encore à l'automne. C'est quand même des animaux vachement archaïques. Hein. C'est... Ouais. Il y a 14 millions d'années qu'ils existent, hein. Ah, c'est ouais, vraiment dingue. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont la capacité de résister aux tempêtes les plus dures. Oui, c'est sûr. Et puis leur moyen de défense dans les escarpements rocheux, c'était royal. Ouais. Et là, bon, jusqu'à l'arrivée des fusils, c'était terrible parce qu'ils pouvaient se défendre et ils étaient à l'abri de tous les prédateurs. Ouais, ouais. On peut dire que les éboulis sont des milieux, en fait, à part entière. Hein. Ah oui, complètement. À l'intérieur d'un éboulis, il y a toujours des microclimats. Et souvent, c'est même assez frais et humide sous les pierres. Il y a un phénomène de condensation qui alimente toujours un peu d'eau. C'est ce qui donne les fougères. Les fougères, oui. Les adénostyles aussi. Les adénostyles glabres. Et puis, après, si on remonte plus haut, on peut avoir d'autres espèces. Parce qu'il y a une foule de milieux, alors on vient de voir les boulis, mais le rocher aussi, hein, c'est un milieu. Ouais. Alors là, évidemment, la joubarre profite de son orientation sur le rocher, elle profite aussi de la fissure. Hein. C'est beau quand même, hein, c'est un petit jardin. Et puis si tu passes de ce côté, il y a
la dryade à 8 pétales. Dessous, tu as le saxifrage. Donc lui aussi en fleurs. Elle s'étale, elle s'applique contre le rocher. Eh oui, voilà, des petits jardins suspendus. Hein. Ouais. Ah oui, super. Et lui, il est bien à sa place, c'est le mangeur de cailloux aussi. Baudouin est arrivé avec ses brebis il y a environ 2 ou 3 semaines. L'herbe est grasse, le paysage est immense. Mais depuis quelques années, ce paysage est habité par le loup. Il est invisible et pourtant il est là. Il y a une mortalité naturelle, hein, qui est bon, de vieillesse, d'accident, ça c'est sûr, hein, ça peut arriver, quoi. Mais disons que bon, le loup a doublé la mortalité, quoi. Et surtout, bah, c'est le, bah, toujours l'angoisse d'une attaque, quoi. Moi, dès que je vois les vautours, un groupe de vautours là, qui se pose, je sais qu'il y a eu une attaque. Quoi. Ça, c'est bon, c'est un bon indicateur, mais après coup. C'est vrai que ça a changé. Et c'est vrai que maintenant, on a tout le temps ça au-dessus de la tête. Ouais. Il y a tout le temps cette... se dire, bon, dès qu'il y a du brouillard, dès qu'il y a pluie, brouillard, bon, on sait que là, on est dans le risque maximum. Quoi. Ça a changé de l'ambiance, quoi. Ouais, on peut plus être dans le bon état d'esprit pour garder les brebis. Parce qu'être dans le bon état, c'est justement à faire... un peu correct son troupeau, quoi, ressentir comme son troupeau et fonctionner dans le... Il y a un vautour là-haut. Ah, il y a un vautour là-haut, ouais. C'est pas bon. Baudouin. Oh, il y en a qu'un, ça va. Il y en a qu'un. C'est peut-être le premier, c'est l'éclaireur. Ah. Il y a repéré. Ben, on va bien voir où est-ce qu'il tourne. Pour l'instant, c'est là, il se promène. Non, et bon, c'est sûr que ça a vraiment... ça a fortement changé. La façon de ressentir le travail, quoi. Ça nous bouffe la vie, quoi. On peut le dire. C'est vos brebis et votre travail qui participent à la biodiversité, quand même, dans le secteur, là. Hein? Fortement. C'est la tondeuse à gazon. Oui, et puis la semeuse d'engrais aussi. Semeuse d'engrais, c'est celle aussi qui retient la forêt, en quelque sorte. Quoi. Ça tient un peu ouvert, non? Ouais, enfin, ça, disons que si elles n'étaient pas là, ça fermerait beaucoup plus vite. Quoi. Mais ouais. Malgré les troupeaux, ça ferme quand même. Ça ferme quand même. Et ça vient de quoi, cette fermeture, alors, d'après vous? Bah, on est à l'étage forestier, hein, quand même. Ouais. Jean-François, quand on se promène dans la réserve, plus largement sur l'immensité des hauts plateaux du Vercors, on rencontre des gens. Alors, bien la sûr. Question que je vais te poser, c'est est-ce que les gens ont leur place ici? Mais bien sûr que les gens ont leur place. Et ils ont d'autant plus leur place qu'il n'y a pas de patrimoine sans des personnes. Les sociologues ont l'habitude de dire il n'y a de patrimonialité que dans l'altérité. Alors, c'est une façon un peu savante de dire que si on ne partage pas, vraiment il n'y a pas de patrimoine. Et d'ailleurs, si on ne partage pas avec ses parents, patrimoine, si on ne partage pas avec ses enfants, héritage, on ne partage pas et il n'y a pas de patrimoine. D'autant plus que les paysages, quand même, il faut le reconnaître, aujourd'hui, on marque tous l'empreinte de l'homme. Mais bien sûr, il n'y aurait pas ces forêts-là, il n'y aurait pas ces champs, il n'y aurait peut-être même pas ces falaises s'il n'y avait pas eu des hommes depuis 7000 ans ici. Est-ce que les réserves ont de l'avenir ? Ah, la réserve, bien sûr qu'elle a de l'avenir. Le mot de réserve, je n'aime pas tellement, mais petit à petit, le concept de réserve entre dans la tête et surtout dans le cœur et dans les yeux de chacun. Et au moment où il n'y aura plus besoin de réserve, c'est-à-dire qu'au moment où chacun sera capable de préserver les richesses pour les enfants, pour ceux qui vont nous suivre, alors, ce sera gagné.